de Bamoso. Continuez avec nous, nous recevoir aussi nos bonnes invités, donc chaque semaine sur le plateau. Karine Kistoujan exerce métier animatrice radio, présentatrice télé et productrice de MBC. Sur l'émission centrée l'Oban Mauricien. Kililo Koul FM, ou San Créole, Karine toujours privilégie langage créole mauricien. Avant, nous t'icônes la radio et la télé qui uniquement utilise langage français ou soit anglais, mais un peu moins créole. Mais à cela, l'évolution est mise jusqu'à radio pour que radio capable permette d'imoun comprendre que le langage créole c'est un langage universel avant tout. Il y a plusieurs émissions aussi sur la langue créole qui faire d'ailleurs pour Christelle Lebras écrire et apprendre créole. Donc c'est une émission chez nous. Et il y a beaucoup d'émissions au sein créole qui valorisent la langue créole en lui-même. Donc ça permet nous-mêmes, en tant que présentateurs, réalisateurs d'émissions, d'évoluer dans nos langages maternels. Dans la presse écrite, nous avons envie de trouver un peu plus l'écriture créole au Manzoulal. Pourquoi pas? Il y a un joli travail qui peut faire d'ailleurs. Surtout quand nous cause l'écriture en langage créole, parce que l'écriture en langage créole, c'est une écriture très complexe et qui moi même encore difficilement capable d'adapter moi au livre. À ce moment, on prend dictionnaire créole, on prend dictionnaire mal rodé. Donc nous avons sous-titres, le générique et tout ce qui va avec pendant l'émission, il est supposé écrire en créole. Nous pas supposé faire une faute. Ah, bon, tout à fait pour l'introduction créole dans le Parlement, parce qu'il déjà. Si nous guide bien dans tout pays, c'est tout servir notre langue maternelle. Alors, qui fait nous pas capables de servir nos langues maternelles dans le Parlement? Le message, d'ailleurs, passe beaucoup mieux quand c'est la langue maternelle. Donc, pour le créole, partout.